Comment a commencé le Coco Loco? Mais en fait, c'est parti d'un simple constat que dans la région de Charleroi, il n'y a pas vraiment d'endroit où aller boire un verre. Radio, on s'est dit pourquoi pas ouvrir un café. Ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas dès le début. On est vraiment content, on a vraiment du monde et du beau monde. Quoi. C'est un cadre familial et ça, les gens, je pense qu'ils le ressentent. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques gros DJ en fait que vous avez accueillis comme Miss Luna, Jewel, Dave Lambert. Qui s'occupe du planning DJ, de la programmation et autres? C'est Mike qui s'occupe vraiment de tout ce qui est artistique, qui fait le planning, le booking des DJ. En arrivant ici, j'ai pu vraiment accrocher avec le public et faire quelque chose de super bien, quoi. Et puis bon, l'infrastructure est super bien, les patrons sont nickels. On n'aurait jamais cru que ça prendrait une telle ampleur en fait. Le Coco Loco, c'est devenu très très vite en un mois de temps, donc l'endroit le plus branché de Charleroi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ce soir ici? Bah, un jour mon manager il m'appelle, il me fait ouais Unique, j'ai un booking pour toi pour Charleroi. Voilà, Coco Loco, il m'a dit ouais Coco Loco, je lui dis ah c'est chouette, c'est bien. Et pour dire, j'aime très très bien. Let's talk about the breaks, baby. I'm talking about who's the boss. I shine 365. She fine, yes, we can dine. Come on, rosé, champagne. I lick the neck and she came. Rouse. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it.